Bah alors, Mad Map, t'es parti où hier? T'as disparu d'un coup d'un seul. Et nous, on a foiré bêtement notre défense du coup derrière. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Oh, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trois cœurs rouges, on a le trinket, l'activable qui nous donne une pièce, une chance sur deux. Non, je t'ai pas lu, effectivement. Je devais être occupé avec Maron. 0,91 de vitesse, ouais, c'est pas ouf. 26,69 de range avec 0,62 shot speed. C'est pas beaucoup de shot speed, mais ça s'explique. À cause de l'objet qu'on a, hein, c'est Sacred Heart qui baisse le shot speed, hein, mais qui baisse également le tir rate. C'est pour ça qu'on est à 21, donc ça devait pas être terrible de base. Et du coup, avec Sacred Heart, c'est encore pire. Mais bon, on a 10,34 de dégâts. Donc ça va. Par contre, moins 0,91 de luck, c'est dommage. Bon, je sais pas trop. Ça va, un hein, Sacred Heart, c'est cool. Mais bon, le tir rate est assez infâme. Hein. Les dégâts sont pas trop mauvais. On verra. C'est pas si mal. Et puis bon, bah, on va voir hein, si le jeu veut nous donner des places. Ah, ton internet a décidé de te lâcher. Ça arrive. C'est con parce que nous on a foiré la défense sur la vague 38, je crois. Parce que on a été incapable de protéger le cercueil. Comme une bonne bande de naze. Et c'est la faute de confetti, ça. Qui en doute encore? C'était sur quel jeu? Warframe, hein, évidemment. Non mais moi j'avais de toute façon. En vrai, ça aurait pu tenir si j'avais eu une autre. Si j'avais eu Oberon, ça serait passé. Si j'avais eu Oberon, ça serait passé crème. Mais avec Garuda. Avec Baruch, pardon. Oh là, mais qui a eu la bonne idée de mettre l'OST de Beck? Qui est quand même assez formidable. Hein. No since when I changed to such a cold-hearted guy. I know too. Lonely, I can slowly. I like being wrapped with romance more than anything else for sure. With laughter and joy. I know that I thought I would be. I'm just worried for myself. Voilà. Ah mais on est d'accord, Adrix, que I've got a feeling, c'est le top quoi. Sorrow is what I had, but it drowned my sensation. Regrets are real. Decision. This is always by my side, but I've never felt it once. Ah, j'aime moins celle où ça rappe, quoi. Well, I'm scared, 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 scared of death. Ah, Follow Me, elle est bien aussi. Yeah, I'm scared, 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 scared of death. And I can't have. Thank you.
Pourquoi pas la Champions Belt après tout, hein. Après ça, c'est la musique que le vieux il a écrit, c'est ça, hein. Je crois, hein. Si je me rappelle bien. Le mec qui apprend la natation à Koyuki. All the way, yeah. Sorrow is what I have, but it's grown my sensation. Rigorous on the hour to make any hard decision. This is always by my side. Salut Turian. Only for the thrill remains. Well, I'm scared, 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 scared to death. And I keep and go. Alors une 40. C'est laquelle? C'est celle qui dure 1h40? Ou 1h50? La bonne run de l'enfer. Ah hein. Oh, putain. C'était compliqué. Hein. Mais alors, le decision making en bombe, le meilleur du monde. Hein. Le meilleur decision making dans le womb qu'on ait jamais vu. Hein. Bon, bah on a de la range et un peu de luck. Power pill. Power pill. Intéressant. Intéressant parce qu'il y en avait une autre. Entre le Lazarus Rax et les machines de don de sang. Après. Bah, je te dirais a priori non, mais en fait, j'en sais rien. Ah ouais. Et ça aurait été une erreur, hein, en vrai, hein. Non, pour l'instant, tant que je m'amuse, enfin, tant que ça... Tant que c'est intéressant, et puis que ça se passe. En vrai, j'ai pas d'objectif. J'ai pas pour objectif de battre tout le monde en termes de nombre de streaks. Je me mets pas la pression. On avance, et puis si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, ça va m'énerver, évidemment, mais... Mais bon, c'est comme ça, hein.
you a wizard? Déjà, je suis content que ça se soit pas arrêté à la run combien? 40 du coup, ouais. C'était quand même pas loin. C'était quand même assez tendu. Même s'il y avait un dead cat. Je crois qu'il y a une autre run qui a été compliquée après, non? Oh, je sais pas. Pas sûr, pas autant. Non, ça c'était vraiment la plus dure. Avec quoi dans le shop? Humbling Bundle tous les jours, madame! Salut les enfers! Bon, il me faut une pièce! La voilà! Ah! Ah bah oui! Ce qu'on va faire d'abord faire les salles sans le D6 pour peut-être récupérer des pièces supplémentaires. J'ai pas besoin du D6 pour le moment en vrai. Hein. Si je peux récupérer 2-3 pièces en plus, c'est toujours ça de prix. Dommage. Bon. It puts my back up. Puts my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. On peut reroll le shop pour récupérer une batterie. Si jamais. Ça c'est cool. J'espère trouver un tears up quelque part un jour. Avec quoi dans le boss rush? Dans le boss rush, dans le Devil Deal. Un bouquin nul. C'est vachement moins nul. Il y avait une batterie en plus, mais quel con. Ouais. C'est pour le sub. Subchi et GG, tu as un sac 10 fois plus grand. Et prout toi-même. Merci beaucoup. Ah merde, c'est vrai. Bon, très bien. Je sais pas. Oh.
Ah, dommage. C'est nul, ça. 60 damage, ça vaut un D6, non? De quoi? Allez. Oh bah, on est tranquille là normalement. Ça devrait pas trop mal se passer. Seul truc, ça serait de récupérer du tier rate. C'est vraiment ça qu'il faudrait. M'ambiance pas des masses. Ça m'ambiance vachement plus. Allez, dommage des mouches. Oh, le D6 est trop fort. Hein. Lâche pas le D6 comme ça. Hein. Puis bon, maintenant j'ai des araignées. Facile. J'ai pas de clé. Ça, c'est un peu chiant. La blue map, allez. Prenons ça. On va prendre les deux clés aussi. Histoire d'être un peu plus tranquille. Une araignée tout team mouche, dis-le dans les commentaires. Prendre ça quand même. Enfin, des pièces. Elle est bien cette Curse of the Maze, elle est pas chiante. On va pas prendre le trinket, ça serait dommage. On va faire le boss. Parce que mine de rien, l'objet est full. Ah, le D6 est fait, est prêt. Ça, j'ai dû le faire avant d'ailleurs. Pas très optimisé tout ça. Bon, ça, c'est pas ouf. Pas ouf le Pidgeys. Ça non plus d'ailleurs. Ah, ça c'est pas mal. Pidgeys. Problème, c'est toujours pas du tears up quoi.
De ne pas prendre le trinket parce que ça me fait chier d'avoir trop de shot speed. Je suis en streaking, Miss Lero, moi. Je joue pas trop sac dag, pas besoin. Pas m'amuser à prendre des risques, alors que j'en ai pas besoin. C'est pour ça que toi non plus tu joues pas sac dag. Ah genre. Bon, en streaking, c'est compliqué de jouer le pourcent quand même. Hein. Au bout d'un moment, ça marche plus. Hein. Sérieux? Bon, on va prendre le Child's Heart, hein. Après tout. Hein. Relax. Pour le meilleur relax que j'ai fait de ma vie. Ah, la pilule Tears Up. Parfait, ça. Excellent. Combien de luck? 4. C'est pas mal. Pour avoir plus, mais pour avoir moins. Pas comme si on avait des problèmes de cœur. Bon, c'est pas comme si on arrêtait de faire, si on faisait trop de la merde là. Tears up. Il est bien ce jeu, hein. Il est bien ce jeu. Des fois. Hier j'ai dit que c'était de la merde, hein, rappelez-vous. Allez, c'est le moment du Magic Mushroom. C'est contractuel. Salaud. Vurp. Très bien. Tears up. Très bien. J'aurais bien aimé trouver l'item room plus vite par contre, hein, c'est assez dommage. Les charges de D6 qui s'en vont dans les... dans comment dire, dans l'air, pour rien. Voilà, voilà. Le moment où t'es pas hypé ni par l'un ni par l'autre. C'est quand même dommage. Ah, le problème du Sadonion, c'est que là, le shot speed aurait été vraiment bas.
Même si j'ai pas besoin de pièces, je vais quand même bourrer la machine. En espérant avoir le blood bag. Ce serait pas mal de récupérer un peu de vitesse. Et Jam. Oh, c'est peut-être le minimum, 0,60, genre. Je n'avais pas envie de tenter le diable, on va dire. Ah bah voilà, parfait. Sur le dernier. Par contre, j'aurais dû attendre. Oh, quoique. Oh. Je peux peut-être y aller depuis la secret. En challenge room. Voilà. Ouais, voilà. Bien. Oh, le cheat engine. Non mais merde. Tu disais pas ça hein, quand j'en chiais sur certaines runs. Salaud. Ou bien des runs où ça se passe bien. Hein. Reviens. On verra. Ah ah. Ouais, Omar, je peux la prendre. Guppy's Tail. Ça fait deux objets de Guppy en plus. Retro Vision. Oh! Je préfère. À choisir, honnêtement, je préfère ça. Je suis à 2 de Guppy. En vrai, si je peux avoir 3, c'est GG. Hein. Ouais, mais si je peux avoir une armée d'araignées et de mouches, c'est mieux. En plus, ça me donnerait le vol. Y a pas de petit, y a pas de petit gain. Hein. Y a pas de petit truc valable. Heavy bag. Eh ben voilà. Je suis Guppy. J'ai bien fait de prendre la Goated. Allons-y. Ils sont bien les rerolls en vrai, hein. Putain. Please,
sert à rien de prendre la boîte. La boîte. C'est important de ramasser les pièces quand on est à 99 quand même. Je me pose si j'ai vu le thème rouge. En même temps, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Oui, bah oui, allons-y. D'être là. Ouais mais non. On va aller voir si on trouve pas le shop quand même. Freestyle. On va pas faire 4 coups de trucs pour récupérer un Meat Boy parce que fuck it. Pas besoin. Pourquoi pas. Il va faire un peu de spectacle. Ouais, bien sûr. Aucune idée d'où aller. On va aller par là, tiens. Ça, on sera déçu. Même pas. Oh là là. Incroyable. Le bon choix. Ah, du tears up. Ouais, bah non. On s'en fiche. Hein. Save the blind. Pas grave.
Quel plaisir. Oh, j'ai reroll pour voir si ça allait pas me donner un objet qui coûte 2, mais pas peur. Tant pis. Ça aurait été bien. Ah, les fameuses Curse of the Lost qui font toujours plaisir à ce moment-là. Padam. Ouf. On va éviter de prendre la F10, hein. Un peu dommage. C'est un massacre. C'est un massacre. J'aurais pu couper par la secrète, enfin couper entre guillemets. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Non, mais ça va, c'était pas violent. Hein.